Good morgen, allez, Yidan, et Jusra, aujourd'hui, allez, le Nishmat Richard, Ben Fortune, Mazal, Claude, Israël, Ben Fortune, Mazal, et Morid Rabbi Shmuel, Ben Rabbi Shmuel, Mazalman. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah, contre les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet, Rosh Hashanah, Perigdalet, Mishnah, Gimel, Barishona, Haya, Lulav, Nital, Bamigdash, Shiv, 1, ou Bamedina, Yom Echad, Mishacharav, Betamigdash, Itkino, Ben Yochanan, Ben Zakai, Shaye, Lulav, Nital, Bamedina, Shiv, A, Zecher, Bamigdash, Veshaye, Yom Henef, Kulo, Asur. Une Mishnah qui se réfère à la Mishnah Aleph du Perek, où on avait vu les décrets de Rabbi Hanan, un décret de Rabbi Hanan ben Zakkai. Rabbi Hanan ben Zakkai, c'était le Rav qui a vu la destruction du Beit HaMikdash et qui a fait toutes sortes de décrets en rapport en général avec le Beit HaMikdash, pas que, mais il y a toujours. C'est-à-dire, il a dû maintenant, le peuple d'Israël est entré dans une nouvelle ère sans Beit HaMikdash. Des situations parfois plus complexes, plus délicates. Il a fallu y parer. Et Rabbi Hanan ben Zakkai a fait plusieurs décrets. La Mishnah en évoque 9. On en a vu déjà un qu'il y avait dans la Mishnah Aleph. On en a vu dans la Mishnah Aleph du Perik Dalet. Il y avait un dans le Perik Rishon. À savoir, par exemple, est-ce que les témoins pouvaient les recevoir. Est-ce qu'on pouvait recevoir les témoins le Shabbat. Rabbi Hanan ben Zakkai avait fait que le témoin ne venait pas le Shabbat. Il y avait dans la Mishnah Aleph maintenant. Ça, c'était pour le début, le premier chapitre. Dans notre chapitre, on avait vu l'histoire de Rabbi Hanan ben Zakkai que depuis la destruction du Beit HaMikdash, alors on ne pouvait plus sonner le shofar à Yerushalayim, il n'y avait plus d'Yerushalayim. Mais au moins, alors il a instauré qu'on allait sonner le shofar à Yavne. Du coup, la Mishnah va maintenant énumérer encore deux autres takana dans notre Mishnah, deux autres takana de Rabbi Hanan ben Zakkai. Dans la Mishnah prochaine, il y en aura encore une, et puis après, il y en a encore quatre autres qui sont évoquées dans la Gemara, qu'on ne verra plus ici, bien sûr. Et concrètement, donc, une nouvelle takana de Rabbi Hanan ben Zakkai en rapport avec Sukkot. Barishona, au début, à l'époque du Beit HaMikdash, Aya lulav nital bamigdash shiv'a, on prenait le lulav, on le balançait le lulav au Beit HaMikdash shiv'a pendant 7 jours, ou va medina yom echad, tandis que dans le reste du pays, c'était que le premier jour. Soit, si vous regardez dans la parashat, c'est où? Est mort, oui, là-bas les parachat est mort, donc Vaïkra, Rav Gimel, là-bas, et une Kesef Talvet Ami, après le Shor Chesevoez, la paracha qu'on lit toujours dans, durant le, la paracha qu'on lit dans, durant les Chagim, alors là-bas, il y a marqué là-bas, Ousmartem, alors il y a marqué, Ulkartem Lachem Bayom Arishon, Prezadar Kapot Marim, Vanef, Et, Avot, Var, Nachal, Ousmartem Lifnachem Lokachem, Shirat Yamim. Regardez l'anomalie dans le Pasuk. Vous prendrez, ou le Tartem Lachem Bayom Marishon, vous prendrez le premier jour de Sukkot, pris Et Sadar, le Etrog, le Lulav, Kapot Marion, et puis vous vous réjouirez devant Hachem durant 7 jours. Non, tu prends le Lulav, le premier jour, pour te réjouir devant Hachem pendant 7 jours. Comment on fait? On fait avec le Lulav pour le premier jour uniquement, et ça va durer pendant 7 jours. Comment on fait? La Gemara elle explique, en fait, que il y a deux mitzvot. La mitzvah du lulav minatora, de partout, c'est le premier jour uniquement. C'est le grand jour du chesed de Sukkot. Mais après, il n'y a plus de devoir de prendre le lulav, à l'exception de Ousmartem, Lifnei Hashem, Shivat Yamim. Lorsque vous serez devant Hashem, c'est où qu'on est devant Hashem? Au Beit HaMikdash. Lorsqu'on est au Beit HaMikdash, alors on a la mitzvah de faire le lulav pendant 7 jours. Comme ça, c'était la mitzvah de la Torah. Partout dans le pays, le premier jour uniquement. Et tous les autres jours, c'est que au Beit HaMikdash, où ça reste Minatora, tandis que dans les autres pays, il n'y a aucune mitzvah de faire du lulav ensuite. Maintenant, Mishécharav Beit HaMikdash, depuis le moment où le Beit HaMikdash a été détruit, alors Rabbi Yochanan, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a instauré Rabban Yochanan Ben Zakkai, Sheyehe Lulav Nital Ben Medina Shiva, il a instauré que l'on prendra le lulav dans le reste du pays, durant 7 jours, Zecher la Mikdash. En souvenir du Beit HaMikdash. Soit, puisqu'il y avait la mitzvah au Beit HaMikdash de prendre le lulav durant 7 jours, alors en souvenir, Rabbi Hanan ben Zakkai, il a dit, il faut que laisser un zecher la Mikdash. Il faut, la Mishnah insiste sur le fait de faire des mitzvot qui nous rappellent le Beit HaMikdash pour nous éveiller en nous le désir de revoir le Beit HaMikdash reconstruit, d'être Doresh Tzion. La Gemara insiste de vouloir y vivre. Comment est-ce qu'on fait pour vivre au Beit HaMikdash? On continue à faire des minagim, de choses, des usages, de choses qu'on a accomplies au Beit HaMikdash, et ça nous éveille, ça nous stimule, ça nous éveille en nous
le souhait d'y revoir le Beth Amikdash. Donc Rabbi Hanan Zeh l'a sauré, dans ce cas-là, il n'y a plus de Beth Amikdash pour faire la mitzvah du lulav pendant 7 jours. Partout chez vous, vous ferez le lulav durant 7 jours, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. On a la mitzvah du lulav, on fait même la bracha aussi à chaque déchet de l'intéressé à nous. Un Netilat lulav durant les 7 jours, alors que c'est une mitzvah qui n'est que mis de Rabbanan. Le premier jour c'est de Horaïta, les autres jours c'est de Rabbanan, c'est parce que c'est Rabbi Hanan Ben Zakkai qui l'a sauré. Et encore une autre takana qu'il a fait Rabbi Hanan Ben Zakkai, c'est aussi Meshiye Yom Henef Kulo Asur. Que le jour, là je traduis, le jour du balancement soit entièrement interdit. C'est quoi le jour du balancement? Là, on passe à Pessah, plus précisément au deuxième jour de Pessah, lorsqu'on commence à faire le Korban à Omer, soit. On explique un petit peu mieux l'interdit du Hadash. Hadash, le Hadash, c'est la nouvelle récolte. Il faut savoir, lorsque maintenant on a planté du blé, je ne sais pas c'est quand la saison exactement, mais là le blé d'ici peu, on va rentrer bientôt en fin de Hadar, Nissan, ça va être le début du printemps, et le blé va commencer à pousser. Ce blé-là, vous n'aurez pas le droit de le manger, le nouveau blé, jusqu'au 16 Nissan, le jour du Korban à Omer. Alors, le Korban à Omer, on va faire une offrande. À l'époque du Beth Amikdash, c'était grâce à cette offrande. On l'a porté à Hachem, on disait, voilà, Hachem, on va te faire une offrande, une oblation d'orge, cette fois-ci pour le moment, avec la nouvelle récolte. Et puisqu'on a donné les prémices de la nouvelle récolte à Hachem, après, on va pouvoir manger, nous aussi, le Hadash, toute la nouvelle récolte. Donc, à l'époque où il y a le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte jusqu'à qu'on ait fait le Korban du Homer. Dès qu'on a fait le Korban du Homer, on a le droit de manger de la nouvelle récolte. Lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, alors l'interdit de Hadash, il reste interdit. On n'a pas le droit de le manger. Mais la question, c'est jusqu'à quand? Alors, en théorie, une discussion dans la Gemara, on va prendre un avis, c'est qui considère que depuis le matin, puisqu'il n'y a pas de Korban à apporter, malheureusement, eh bien, depuis le matin du 16 Nissan, on aurait le droit, en théorie, de manger la nouvelle récolte. Mais, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, etc. S'il y a le Beth Amikdash, tu as le droit de manger la nouvelle récolte jusqu'à 10h30 du matin, 11h, qu'au Beth Amikdash, ils ont fini de faire l'oblation. S'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a pas d'oblation. Dans ce cas-là, le soleil se lève, tu as le droit de commencer à manger la nouvelle récolte. Ça, c'est en théorie. Seulement, Rabbi Hanan Ben Zakkai, il a dit qu'il va y avoir un problème si tu vas manger. Parce que ton fils, cette année, il a 6 ans. Il va se souvenir qu'au petit matin, il s'était levé le lendemain de Pessah, il avait mangé de la matzah toute fraîche de sa maman, avec le nouveau blé. Pourquoi? Parce que pour le moment, sa maman lui a fait de la matzah, alors que... parce qu'il n'y avait pas d'interdit de radage depuis le petit matin. L'année d'après, le fils, quand il aura 7 ans, il y aura le Beth Amikdash qui sera reconstruit par Pessah l'année prochaine. Et puis le fils qui aura 7 ans, il va dire à sa mère, « Maman, refais-moi demain matin les matzahs comme tu m'as fait l'année dernière. » Or, sa mère ne va pas calculer que cette année, il y a le Korban Omer, puisqu'on a consommé le Beth Amikdash. S'il y a le Beth Amikdash, alors on n'a pas le droit de manger une nouvelle récolte, jusqu'à que qu'on va faire le Korban du Omer au Beth Amikdash. Donc il est venu, Rabbi Hanan Ben Zakkai, il a dit à cause de cette situation, qu'il va y avoir des gens qui vont s'embrouiller, qui vont dire qu'on a le droit de manger depuis le matin, on n'a pas le droit de manger depuis le matin. Le 16 Nissan, tu ne manges pas du tout de la nouvelle récolte jusqu'au soir. L'interdit Tradash, il reste en vigueur jusqu'au soir. Là, dès le 17, et là, tu prends à manger. Comme ça, au moins, puisque tu pars, d'accord, le Beth Amikdash sera construit, alors on apprendra aux gens qu'en réalité, on peut même le manger depuis le moment où on fait le Korban Omer. D'accord? C'est là, donc, pour le moment, ça fait la quatrième Takana de Rabbi Hanan Zakkai qu'on rencontre dans la Massechet. Il y en aura encore un pour demain, et puis après, ce sera le reste dans la variété de la Gemara. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.